l'astronomie amateur et la physique et les questionnements profonds, ce sont un petit peu deux positionnements intellectuels différents. Comment toi, tu es passé d'un questionnement et d'un côté contemplatif, parce que l'astronomie amateur, il y a ce côté, à de la vraie physique, oserais-je dire, qui peut paraître compliqué. Ça aurait pu être contemplatif, cette astronomie d'amateur. Et là encore, je crois, une fois de plus, que le déclic a été un déclic commun, qu'on a vécu communément. Enfin, quand je dis commun au sens, on l'a vécu ensemble, dans ce camp d'astronomie de Chamaloc, qui est dans la Drôme. Parce que l'astronomie d'amateur, et ce n'est pas pour lui jeter la pierre, c'est d'abord contemplatif, bien sûr, comme observer les oiseaux, etc. Après, on peut vouloir connaître tout des oiseaux, et on monte un peu dans le niveau de l'ornithologie amateur, comme on veut vouloir comprendre la physique qui est derrière, et on monte dans les niveaux d'astronomie d'amateur. Mais ensuite, il y a encore le niveau du dessus, et qui n'est pas facilement accessible, parce qu'il nécessite des moyens, des méthodes, des outils mentaux dont on ne dispose pas comme ça, et qu'il faut souvent qu'on les subisse, si j'ose dire, qu'on les reçoive en enseignement ou en partage par d'autres qui vous mettent le pied à l'étrier. Et ça, c'est le niveau de la recherche, du questionnement, et d'utiliser l'outil dont on dispose, une paire de jumelles pour les oiseaux, une lunette pour observer le ciel, et pour le transformer cette fois-ci, non pas en instrument d'observation, mais en instrument d'investigation. Et d'essayer de répondre à des questions qu'on se pose sur ces oiseaux ou sur ce ciel, sans lire dans les livres. Non, on regarde un peu, et on essaie d'éduquer sa réponse, on essaie de voir, mais on essaie de se créer sa propre démarche. Et donc dans ce camp d'astronomie, il y avait cette démarche d'investigation, ce qu'on appelait à l'époque les manips. L'idée qu'on allait faire des photos du ciel pour le plaisir de faire des photos, d'abord maîtriser la technique, ensuite le plaisir de faire des belles photos, ce qui est quand même la réalisation maximum, ultime, d'une certaine façon, de l'astronomie amateur, faire une belle photo du ciel qu'on peut montrer et qui a demandé un effort considérable, des capacités techniques considérables dans l'instrumentation, qui a bien varié depuis 30 ans, bien entendu. Mais le niveau du dessus, c'est d'utiliser cette capacité à faire des images du ciel pour en tirer de l'information. Mesurer la distance de trucs, la vitesse du chose, je sais pas quoi. Ou la distribution des amas Gubbio à la galaxie pour voir comment... Et donc, ce genre de manip, là, on passe d'un mode contemplatif à un mode expérimental. Enfin, c'est pas une expérience, mais j'observe pour répondre à une question. Et donc, je crois que le déclic a été à ce moment-là, dans le message qui m'a été transmis, que j'ai ensuite transmis en étant animateur dans ce camp d'astronomie, le message de... C'est super d'observer le ciel, c'est pour ça qu'on vient, mais c'est pas pour ça qu'on reste. C'est ça.